Donc là, je vais vous présenter comment évaluer la relation homme-animal dans un élevage de bovins laitiers. Donc pour évaluer cette relation homme-animal, on va étudier le comportement d'une vache laitière à l'approche d'un observateur, moi en l'occurrence. Donc l'observateur, il se met approximativement à 2 mètres de l'animal, avec le bras tendu vers l'avant à 45 degrés par rapport à son corps. L'observateur va avancer vers l'animal. Et à un moment, l'animal va avoir un mouvement de recul. Et c'est la distance entre le bras, la main de l'observateur et la tête de l'animal au début du recul qui va nous permettre d'évaluer la relation homme-animal de cette vache laitière. Donc là, je vais commencer pour vous montrer. Je me positionne à 2 mètres avec le bras à 45 degrés et j'avance tranquillement vers l'animal. Et donc, il faut observer le moment du recul de l'animal. Là. Vous avez vu qu'elle avait commencé à reculer. Et donc, on va évaluer, mesurer la distance entre le bout de ma main et la tête de l'animal au début du recul. Et ça va nous permettre d'évaluer la relation homme-animal. Donc, je vous le refais rapidement. Le principe est le suivant. On se positionne bien comme il faut et on avance tranquillement vers l'animal. Et là, voilà. Et globalement, on va pouvoir estimer la distance entre 50 cm, 50, 60 cm. Donc on a évalué cette vache et après on va passer à une deuxième vache où on va faire exactement la même mesure, etc., jusqu'à avoir une estimation globale de la relation homme-animal dans le troupeau.